Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouveau format de vidéo, aujourd'hui on va parler météo. Météo mais sur une Terra, et notamment sur le ladder top 50 Europe. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est représenté et quelles sont les préférences des 50 premiers joueurs européens. On va voir donc qu'est-ce qui est représenté et je vous livrerai à la suite de la vidéo une decklist et le joueur qui la joue dans ce top. Si vous voulez voir le gameplay de chacun de ces decks, sachez que j'ai fait déjà une vidéo dessus que vous pouvez explorer dans la playlist présentation de deck. Vous pouvez cliquer juste en haut ici. C'est Draven Ezreal qui est premier sur ce camembert, deck mêlant en même temps agressivité et contrôle de la partie. La carte clé, ou plutôt les cartes clés, vont être le Tribim qui permet de se booster en jouant des cartes à 3 de mana et le Capitaine Pharaon pour clore la partie. Ensuite vient le petit dernier qui fait fureur en ce moment, c'est Fizz Twisted Fate, un deck élusive mêlant beaucoup de pioches et notamment le sort Fusion Spirituelle qui permet de booster toutes vos créatures plus X plus X, X étant le nombre de sorts que vous avez joués dans la partie. On peut arriver à des scénarios assez énormes en ayant un board full de 11-11 par exemple pour mettre fin au Nexus adverse. En troisième position, c'est Lee Sin Zoe, deck combo OTK grâce à l'évolution de Lee Sin plus la surpuissance. Le deck sensible à l'agression s'est récemment doté d'un petit papillon qui fait gagner des points de vie, l'aidant à un peu mieux gérer ses mauvais match-up. Le trio de tête étant dit, on passe au reste avec MF Win en 4ème place. MF Win qui est là depuis l'extension Bijouateur et qui s'est doté depuis la dernière extension de la Grand Place lui permettant d'évoluer et de devenir plus puissant. Au même rang que Scout, on retrouve Zoé avec Twisted Fate. C'est un deck élusive qui bénéficie des nombreux bons sorts de Targon pour protéger les unités. Vient ensuite Draven Jinx, un des decks, le deck le plus aggro du jeu, capable de finir votre adversaire tour 4 sur une des meilleures sorties. Le deck est revenu en force quand Goard a été nerfé. Et Goard, on en parle, il est toujours là, très peu représenté, mais toujours là. Pourquoi? Parce que Goard a les solutions contre les decks agressifs qui utilisent de petites unités comme les decks Fizz ou comme les decks Draven Jinx. Quelques joueurs préfèrent jouer Feel the Rush et pourquoi? Eh bien c'est très simple, il obscure et assez fort contre les decks Piltover. Et ça tombe bien, il y en a pas mal en haut du ladder, donc ça permet de gagner des matchs facilement. Par contre, gros bémol, très très faible contre les decks Yonia et donc Lee Sin. Et pour finir, Karma Zoe, très très peu représenté, mais représenté quand même, deck contrôle Yonia Targon. On va essayer de tenir jusqu'à l'évolution de Karma pour essayer de conjurer quelque chose d'énorme, tel un au-delà, pour finir la partie. C'est un deck aussi qui peut protéger Zoé grâce à ses annulifications, pâle cascade et rejet, pour lui permettre d'évoluer. Je vous laisse maintenant avec 9 listes différentes jouées par 9 joueurs du top 50.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce nouveau format. On se retrouve prochainement sur une vidéo YouTube ou quotidiennement sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le contenu. Bye bye.